This is another Infasol production. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un tout nouveau tuto make-up. Oui, encore un, parce que j'adore en faire en ce moment. J'espère que ça vous saoule pas et que vous adorez ça. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je vous propose un smokey eyes noir. Donc c'est vrai qu'il y a des smokey eyes marron, enfin toutes les couleurs, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire celui-ci. Donc c'est vrai que j'en fais pas très souvent, pourtant je trouve ça très très joli. C'est assez sophistiqué et pas évident à réaliser, je vous le dis très sincèrement. C'est pas forcément simple, c'est un make-up un peu sophistiqué, en tout cas pour celui-ci, mais il faut juste beaucoup beaucoup estomper et après vous verrez que vous aurez le coup de main et que c'est très sympa à réaliser. Ce que j'aime beaucoup dans le smokey eye, c'est que ça fait vraiment un très bel effet au niveau des yeux. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez un peu un regard mystérieux, super joli, avec des très jolis dégradés. Ça étire le regard et ça vous fait des yeux de chat. Donc moi je trouve ça super super joli. J'en fais pas souvent comme je vous l'ai dit, mais c'est un make-up qui me plaît énormément. Et bien sûr j'ai opté pour des lèvres nude avec un peu de gloss. Donc si comme moi vous adorez les make-up à la Kim Kardashian, super joli, passe-partout mais à la fois très sophistiqué, et si tout comme moi vous aimez les smokey eyes comme ceci, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, je vais appliquer une base de chez MAC, donc c'est le Studio Finish Concealer en teinte NW45. C'est pas vraiment une base à l'origine, mais moi j'aime bien l'appliquer parce que je trouve que ça se rapproche très très bien de ma carnation et ça fait une très belle base pour appliquer les fards et ils vont ressortir encore mieux juste après. Et je vais l'appliquer bien sûr avec le pinceau de chez OPB Lashes qui est vraiment génial, il a une forme sublime. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment pour unifier ma paupière. Voilà, rien de spécial, c'est très simple à faire. Ensuite, l'effet ce qui est bien, c'est d'appliquer ce crayon de chez Kiko. Il est vraiment très gras, il est glossy, oui c'est le Glossy Eye Pencil. Il est vraiment très très bien, je l'avais il y a très 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 longtemps et je suis trop contente de l'avoir retrouvé encore. Là vous avez un petit embout pour estomper, mais je ne l'utilise jamais, je vous dis honnêtement. Mais là on va préparer notre paupière, donc on va faire une très belle base pour notre smokey eyes. Pour commencer, je vais en appliquer juste ici, vous voyez, donc en ras de cils inférieur. C'est pas grave si vous le faites un peu grossièrement puisqu'après on va estomper etc. Là c'est vraiment juste une base. Ensuite je vais déborder un peu comme si j'allais tracer un trait de liner. Voilà. Et ensuite je vais revenir juste ici et en appliquer vraiment grossièrement. Voilà, et là ça va faire vraiment un effet cat eyes, œil de chat, et ça va nous préparer en fait des paupières sublimes pour ensuite poser nos fards. C'est un crayon qui est très 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 gras, c'est le but en fait, et très pigmenté et facile à estomper aussi, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Donc comme quoi des fois on n'a pas besoin d'acheter des crayons hyper chers pour avoir un joli résultat. Donc n'hésitez pas à aller voir chez Kiko. Donc je fais pareil de l'autre côté bien sûr. Donc voilà ce que vous devez avoir. Alors je précise quand même que j'en ai pas appliqué dans le coin interne parce que je veux vraiment avoir un effet cat eyes. Et si j'en applique ici, ça va faire vraiment un œil trop 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 chargé et c'est pas le but. Ensuite, je vais venir estomper. Donc les filles, gardez bien en tête qu'en ras de cils, ça doit être vraiment très très foncé. Et plus on remonte, plus ça va être assez estompé, donc plus clair. J'étire aussi ici. Voilà. Et bien sûr, si c'est pas très précis, je vous le dis encore une fois, c'est pas grave du tout parce que c'est vraiment que notre petite base. Donc là, on est en préparation, on va dire. Donc voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, une autre astuce, c'est qu'on va venir vraiment très 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 assombrir cet endroit-là parce que c'est vraiment le but en fait dans un smokey, pour avoir un très joli dégradé. Et là, je vois que vous voyez, c'est pas très foncé encore. Et donc ma petite astuce, c'est qu'on va venir poser son doigt délicatement juste ici. On va bien soulever notre paupière, on ferme l'œil. Et on rajoute du crayon crawl. Voilà, c'est vraiment une bonne manière pour vraiment avoir le crayon qui épouse parfaitement le ras de cils. Voilà.
Pour ce maquillage, les filles, c'est très simple, je vais uniquement utiliser une seule palette. C'est bien sûr la Naked 2 d'Urban Decay, qui pour moi est vraiment très complète et elle nous permet vraiment de faire des très beaux smoky. Voilà comment elle se présente, elle est vraiment très jolie. Vous avez quelques fards mat, donc ici, ici, et puis pas mal de fards irisés qui sont assez sombres, assez, enfin nude on va dire, et ça permet vraiment de faire des très très beaux smoky. Et même des make-up de jour, en fait, c'est vraiment comme vous voulez, donc elle est vraiment géniale. Pour ce make-up, je sais pas encore quel fard on va utiliser, on va le faire ensemble à la caméra, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que je vais utiliser celui-ci. Il va nous permettre vraiment de bien estomper. Et on va utiliser aussi celui-ci, donc bien sûr un fard noir. Ensuite on verra au fur et à mesure du tuto ce qu'on va utiliser. Et donc dans le coin interne on va utiliser ceci. Donc c'est un très 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 beau fard de chez MAC qui s'appelle Gilded Thrill de la gamme Electric Cool Eyeshadow. Donc il est vraiment trop trop beau quoi. Il est doré, irisé, magnifique. Il est comme ceci. Et personnellement pour moi il n'y a rien de mieux pour avoir un beau regard lumineux, même lorsqu'on a un smoky. Donc on va utiliser celui-ci. Pour commencer, bien sûr je vais utiliser le fard Blackout, donc c'est un noir très 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 noir, vraiment très bien pigmenté, intense, et il est mat. Donc bien évidemment c'est ce que j'aime beaucoup, surtout pour faire vos smoky eyes. Pensez bien à utiliser des fards pigmenté mais plutôt mat. En tout cas pour les fards noirs c'est très facile à estomper et c'est assez discret parce que les autres sont quand même très irisés et je pense que ça va se voir tout de suite. Donc là pour avoir un beau smoky eyes bien discret et joli à la fois, pensez bien à utiliser ce genre de fard là. Je vais venir le déposer sur ma paupière mobile. Et bien sûr je n'en mets surtout pas dans le coin interne, hein. Juste ici, je m'arrête vraiment juste ici. J'aime beaucoup les fards de la Naked 2, ils sont vraiment trop beaux. En fait, je suis amoureuse de tous les fards Urban Decay parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux. J'adore cette marque énormément. Alors voilà à peu près ce qu'on a. N'hésitez pas à en rajouter si vous voulez un smoky eyes plus intense. En ce moment, je fais pas beaucoup de smoky eyes, mais j'adore ça, je trouve que c'est trop joli. Voilà, donc vous tapotez bien comme ceci sur l'ensemble de la paupière mobile et vous étirez également en coin externe pour avoir un effet œil de chat. On va faire pareil ici. Donc pensez bien à presser les fards sur votre paupière mobile, voilà, comme ça, ça les fixe très très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas poudreux, vous voyez. Et la base que j'ai appliquée, donc celle de chez Kiko, donc la petite base noire, permet de bien 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 les fixer et surtout de bien les faire ressortir. Ça les sublime vraiment et c'est pour ça que ça a fait un regard plus intense. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a au niveau du regard pour l'instant. Maintenant on va venir estomper. Et pour estomper, rien de mieux que le fard Tease. Donc c'est un fard qui se rapproche de ma carnation, qui est mat, qui est vraiment très très beau je trouve, et qui est surtout parfait pour estomper. Donc je vais l'utiliser avec le pinceau blender de chez Sigma. Il me semble que c'est le E25. Alors voici comment on estompe. Donc on se met juste ici et on fait des petits mouvements circulaires très 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 léger. Je sais pas si vous le voyez, je pense pas, mais en tout cas je tiens mon pinceau très 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 légèrement, vous voyez. Et voilà, je commence à estomper en faisant des petits cercles pour bien fondre les fards entre eux et surtout éviter toute démarcation, parce que vous verrez que dans le smoky eyes c'est que de l'estompage. Et si vos fards sont assez poudreux, hein, ça peut arriver, n'hésitez pas à bien tapoter votre pinceau avant de venir poser les fards. Ça évitera bien sûr les chutes, surtout quand on travaille avec des fards assez foncés. Vaut mieux éviter les chutes pour pas gâcher son teint. Et donc ensuite avec un pinceau plat de chez Kiko, c'est le numéro 202, je vais venir travailler le ras de cils inférieur. Donc uniquement avec la frange de mon sourcil, je vais venir déposer un peu de fard Blackout en balayant comme ceci, donc en estompant sur le ras de cils inférieur. Cette fois-ci, je vais appliquer le fard Foxy juste en dessous de mes sourcils pour apporter un peu de lumière au regard. Et bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel fard, donc un peu plus clair que votre carnation, pour vraiment éclairer cette zone-là. Moi, j'ai choisi un fard crème parce que je trouve que c'est très très joli. Il est mat également, pensez bien à appliquer des fards mat juste ici, c'est super top. Donc voilà. Et je ne vous l'ai pas dit, j'utilise un pinceau de chez Urban Decay que j'avais eu dans la valise 2.
Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Urban Decay. Donc vous voyez c'est très discret, hein, c'est pas hyper lumineux ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour apporter une touche lumineuse assez subtile au regard. Finalement j'ai choisi un pinceau de chez Sigma qui est mieux pour travailler cette zone là. C'est le E20 pour celles que ça intéresse et c'est plus facile pour l'appliquer juste en dessous des sourcils. Finalement, comme j'étais pas convaincue par le fard que j'appliquais sous les sourcils, j'ai choisi plutôt ce champagne là de la palette de chez NYX que je vous ai déjà présenté, il me semble, dans ma vidéo de favoris, je crois. Voilà, j'ai appliqué celui-ci parce que je trouve qu'il ressort beaucoup mieux. Vous voyez, là on a vraiment de la lumière. Bon, après il faut pas en mettre trop, mais bon, je trouve ça plus joli. Donc cette fois-ci les filles, on va reprendre notre Naked 2 et bien sûr je vais appliquer le fard Foxy à nouveau avec un pinceau estompeur, c'est le numéro 202 chez Kiko et devinez quoi, on va encore estomper. Et maintenant on continue avec notre estompage, donc c'est bien le fard Foxy que j'applique, toujours en balayant pour fondre les couleurs entre elles et éviter toutes les démarcations. C'est que de l'estompage le Smoky Eye. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et pour ne pas changer, on va en appliquer aussi ici. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On repasse au cils inférieur. Donc je vais appliquer bien sûr le fard Tease pour bien estomper, pour bien flouter en fait. Et ça va être très joli et ça va faire un effet très naturel. Donc bien sûr quand je dis naturel, c'est surtout un effet... pas trop marqué, mais bien sûr c'est pas naturel. Je dis ça tout de suite avant que certaines me tombent dessus, mais voilà. Je vais utiliser uniquement la frange du pinceau, hein. Je vais pas tapoter ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste ici. Et je floute encore et encore. Donc voilà ce qu'on a au niveau du smoky. Et avant de passer au coin interne de l'œil, je vais appliquer un peu de fard Busted. Donc c'est un fard marron brun, très très joli et parfaitement irisé. Je vais en appliquer un peu sur ma paupière mobile pour donner un peu quand même une petite couleur au smoky. C'est une couleur qui est vraiment très très jolie, vous voyez, c'est un très beau marron je trouve et ça donne une belle couleur au smoky, ça évite les smokies trop noirs qu'on a l'habitude de voir et voilà, ça change, c'est pour ça que j'aime bien cette teinte là. Je trouve qu'elle est vraiment bien adaptée à ce smoky donc c'est parfait. Et pour finir je vais estomper une dernière fois à l'aide du 217 de chez MAC. Et donc voici le fard de plus près, il est doré, lumineux, super super joli, il est très bien irisé et c'est parfait pour le coin interne. Et bien sûr je remonte un petit peu pour fondre les couleurs entre elles. Et personnellement, je trouve que ce fard est vraiment parfait pour avoir une belle touche de lumière. J'estompe délicatement pour que le fard doré ne remonte pas trop non plus et qu'il se fonde aussi avec les autres fards. Donc c'est vrai, je vous avais promis que c'était la dernière fois que j'estompais, mais bon, désolé, le Smoky Eyes, c'est un peu ça. Donc une fois que c'est fait, j'applique un peu de crayon crawl en ras de cils. Voilà, dans ma muqueuse plutôt. On applique également en haut. Ce qui
qui est bien avec ce crayon là, c'est que comme il est très bien pigmenté, il suffit juste d'en mettre un tout petit peu et ça devient tout de suite très noir. Et donc cette fois-ci les filles, on passe au liner bien sûr. Vous savez à quel point j'adore l'application du liner, donc ça va aller assez rapidement. Je vais faire un joli trait pour avoir un bel effet œil de chat. Et puis voilà. Et je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est bien sûr un liner de chez L'Oréal. C'est le Super Liner Perfect Slim et il est très 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 bien. Si vous voulez des tracés fins ou épais, je vous le recommande vivement. Donc je vais rajouter le liner, super liner Black Laker cette fois-ci de chez L'Oréal en ras de cils, vraiment juste ici. Il est vraiment extrêmement noir et ça fait trop 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 joli je trouve. Ensuite je vais appliquer le Volumissime de chez L'Oréal qui est très noir et qui permet d'avoir beaucoup de volume au niveau des cils. Donc je l'applique rapidement parce que franchement je vais mettre mes faux cils et là je vais vraiment bien appliquer le mascara juste après. Donc pour les faux cils, j'ai trouvé ceux-là chez Forever 21, ils sont à 1€ uniquement. Et voilà, ils ont l'air pas mal, j'ai beaucoup aimé les formes, je sais pas si vous allez voir. Oui vous voyez, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé les formes qui sont très volumineuses, les cils sont très longs et il y a quand même un effet naturel, donc je vais les essayer et on va voir ce que ça donne. Bien sûr moi je comptais pas du tout les acheter mais ils étaient au niveau de la caisse hein, et franchement quand je suis en caisse il y a toujours des petits trucs qui me font craquer et donc j'ai craqué pour ceux-ci. Et donc voilà comment ils sont vraiment très jolis et j'adore le packaging. Franchement ces fossiles ont l'air pas trop mal, hein. Je me suis dit ça doit être de la grosse arnaque mais j'avais envie de tester et en fait ils ont l'air super super jolis, c'est vraiment ce que je désirais, des cils assez longs à la fin et puis super courts au début pour vraiment avoir un effet cat eyes et voilà, on va voir un peu ce que ça donne, je vais continuer. Donc honnêtement les filles pour des fossiles à 1€, je vous dis sincèrement ils sont super super beaux, donc je vous invite vraiment à foncer chez Forever 21. Au niveau des caisses je les ai eues, donc après je sais pas où est-ce qu'elles sont réparties en fonction des boutiques, mais sincèrement je peux vous assurer que l'effet Kim Kardashian est au rendez-vous parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Et même pour tout vous dire, ceux de chez Huda Beauty je les avais eus à 40€, il me semble, avec les frais de port etc. Là honnêtement ceux-là ils sont pas aussi jolis mais ils sont quand même vraiment pas mal. Donc comme quoi des fois on peut trouver des merveilles pas chères. Et donc ensuite bien sûr on reprend nos mascaras, donc le Volumissime que je vous ai présenté et bien sûr celui de chez L'Oréal que je ne vous présente plus maintenant. Et donc dans un premier temps je vais venir prendre celui qui a le plus de volume, du moins celui qui donne le plus de volume aux cils et aux faux cils. Et je vais en profiter pour bien sûr mélanger mes faux cils et mes vrais cils. C'est le but pour avoir quand même un effet naturel et pour pas qu'on voit les démarcations. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite place au télescopique, donc voilà il a des petits picots comme ceci et c'est vraiment top, surtout pour travailler au niveau des cils du bas. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra mais ça les allonge énormément et ça les rend vraiment très très noirs. Donc c'est vraiment ce que j'aime et surtout dans un smokey eyes. Donc j'applique pas forcément beaucoup de mascara pour les cils du bas d'habitude, mais là j'aime beaucoup. En particulier quand vous faites des make-up super intenses comme ceci, c'est vraiment pas mal je trouve parce que ça fait un très très bel effet au final. Voilà, vous pouvez en appliquer également en haut, en faisant des petits zigzags. Donc ce qui est bien aussi c'est de cacher l'excédent de colle, surtout quand la colle est blanche, donc avec un liner très noir. Donc ce que je fais, je repasse délicatement à ce niveau-là. Voilà, pour que ça soit plus discret. Et puis voilà.
Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant on va passer bien sûr au teint pour le terminer. Et bien sûr on ne va pas oublier les lèvres. Donc pour faire mon teint, j'ai déjà appliqué le fond de teint de chez Estée Lauder qui est vraiment pas mal. Ensuite j'ai appliqué donc en anti-cerne le Pro Conceal de chez LA Girl en teinte Found qui est vraiment très très bien parce qu'il lisse extrêmement bien le dessous de l'œil. Et j'ai appliqué ceci, donc c'est le Dark Cocoa, toujours de chez LA Girl, qui est vraiment très très bien pour faire les petites transitions. Donc moi je l'applique entre la zone de contouring et l'anti-cerne, ou alors juste ici, enfin à certaines zones. Je vous invite à regarder mes vidéos routine teint. Et après donc j'ai appliqué ceci pour faire mon contouring, c'est la Pro Conceal de chez MAC que je ne vous présente plus parce que vous la connaissez, j'en suis sûre. Alors cette fois-ci on passe bien sûr à la Ben Nye Powder que je vais appliquer au niveau ici, donc c'est juste à l'endroit où j'ai appliqué de l'anti-cerne au préalable. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Sigma pour l'appliquer, je trouve que c'est top parce qu'il n'y a pas beaucoup de chute, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de chute et c'est top. Après bien sûr la Ben Nye, vous pouvez l'appliquer avec votre Beauty Blender, enfin c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de ne pas en mettre énormément. J'espère que le résultat sera quand même au rendez-vous. Avec un pinceau comme ça, c'est très facile d'accéder à ces petites zones-là. Ça épouse parfaitement la forme du dessous de l'œil. Donc c'est vraiment super, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce pinceau. Non mais ici, juste ici aussi. Pour bien faire ressortir son contouring et avoir une belle structure du visage. Ici aussi, bien sûr. Et donc pour finir, je vais aussi en appliquer juste ici sur l'arête du nez. Et pour ce faire, j'ai tourné mon pinceau pour avoir plus de facilité. Ensuite, je vais venir estomper tout ça avec un joli pinceau œuf, voilà, qui est assez gros de chez Sigma également. Donc on balaye comme ceci, on estompe aussi. Et donc cette fois-ci les filles, je vais venir sculpter mon teint et bien sûr le réchauffer avec ce bronzer. Donc c'est un pur bijou de la marque CoverGirl et j'ai pris la teinte Ebony Bronze. Donc pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez qu'on commence bien sûr par les joues. On va venir les creuser. Et bien sûr c'est la technique du contouring qui permet d'affiner et de sculpter son visage. Il est magnifique ce bronzer, il est vraiment très bien. Parce qu'il n'est pas super marron, marron froid. C'est vraiment un marron très doux, très chaud et très soft. Et ça fait un très beau rendu au final quand on fait son teint. Ensuite on en applique ici. Ah oui, et le pinceau bien sûr vient de chez Sigma. C'est un pinceau œuf qui est génial pour appliquer son bronzer. On n'oublie pas les tempes et le front. Donc une fois que c'est fait, avant de passer au nez, on va bien sûr blender tout ça. Donc on estompe le tout pour éviter toute démarcation et pour avoir un rendu homogène et uniforme. Et cette fois-ci, bien sûr, on passe au nez. Donc je vais appliquer un peu de bronzer au niveau du nez avec un pinceau de chez Urban Decay. Donc on commence ici et on descend en estompant. Encore une fois, je crois qu'on n'a fait que ça dans ce maquillage. Donc voilà, hop. Donc pour adoucir mon contouring du nez, je vais appliquer la poudre matifiante de chez Sephora qui est un peu plus claire, qui est de la teinte de ma carnation. Et je vais en appliquer aussi donc un peu partout sur mon visage pour avoir un beau rendu.
et ça permet de bien matifier l'ensemble du visage. Et donc cette fois-ci, on va passer aux highlighters. Donc j'hésite entre ces deux-là. Je vais vous les montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voici la première, c'est la Cheeky Bronze. Elle est vraiment très jolie, gold. Elle est vraiment très lumineuse et super super belle. Et ici, vous avez la Perfectly Poised qui est vraiment très belle aussi. Cette fois-ci, vous avez deux teintes. Une teinte un peu plus claire et une teinte un peu plus foncée, donc plus dorée. Et une teinte champagne en premier, donc juste ici. Elle est vraiment trop trop jolie aussi, donc je ne sais pas laquelle choisir. Donc j'ai fait mon choix, très difficile quand même, je vais choisir la Perfectly Poised et je vais prendre uniquement la teinte dorée. Après, bien sûr, vous pouvez mélanger, hein, c'est comme vous voulez. Waouh, je la trouve très 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 belle. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Normalement, oui, ça fait un effet glowy, très lumineux et c'est super super joli. Donc là, je pense que ça ressort très bien. Donc vous voyez, ici, j'en ai appliqué et ici, pas du tout. Donc on voit tout de suite que les pommettes sont rehaussées, beaucoup plus lumineuses et que ça ravive l'éclat du teint. Alors sans hésiter, je vais en déposer également de ce côté-là. Et voilà ce que ça donne. J'en mets bien sûr sur l'arête du nez pour capter la lumière à cet endroit-là et donc pour l'affiner aussi. Voilà, j'en mets un peu ici aussi. Et bien sûr, on n'oublie pas l'arc de Cupidon pour avoir une très belle forme au niveau des lèvres. Avant de terminer avec mon teint, je vais rajouter un peu de poudre de chez MAC. Donc cette fois-ci, c'est la Mineralize Skin Finish en teinte dark. Voilà, je vais en mettre juste ici, pour pas que ce soit trop clair à cet endroit-là. Et donc pour le blush, j'ai choisi bien sûr le Sahara de chez Sleek qui est orangé et mat et je vais l'appliquer avec le 129 de chez MAC qui est parfait pour appliquer son blush. Donc je trouve que les blushs orangés pour ce type de make-up c'est juste parfait. Ne choisissez pas des blushs roses ou quoi que ce soit. Orangé c'est très très bien. Je sais pas si vous voyez bien mais moi je trouve que ça se marie parfaitement bien. Donc pensez bien aux blushs orangés parfois. Voilà ce que ça donne. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Et donc pour les lèvres, bah oui, on va s'attaquer aux lèvres maintenant. J'ai acheté récemment donc des crayons à lèvres chez Kiko. J'ai fait plein de petits achats chez Kiko. J'ai pris ceux-là, donc je les trouve vraiment très très bien. Je vous ferai une revue si vous voulez ou un haul parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. Je pense que je vais utiliser celui-ci parce que c'est vrai que quand on a les yeux assez chargés, quand on fait un make-up assez chargé au niveau des yeux, c'est bien d'opter pour des lèvres nude. Donc voilà, mais ces couleurs-là sont très très jolies, donc je vous en reparlerai très prochainement. Celui-ci, c'est le 504. Il est rétractable en fait, donc c'est super bien parce qu'on n'a pas besoin de le tailler à chaque fois. Et vous avez un embout comme ceci. Voilà. Ah, vous avez un taille crayon, je ne savais pas. Et là, vous avez un autre embout. Donc qui sert sûrement à répartir un peu la matière sur les lèvres. Mais je vous avoue que j'utilise pas trop ça. Faudrait que j'essaye à l'occasion. Mais là, on va faire juste comme ceci. On trace bien le contour et ensuite on va remplir à l'intérieur. Tout simplement, aujourd'hui c'est pas très compliqué. Il est vraiment bien ce crayon à lèvres parce qu'il glisse parfaitement bien sur les lèvres et il est très pigmenté donc c'est top. La couleur ressort super super bien. Une fois que c'est fait, j'ai quand même eu envie d'appliquer un crayon marron, cette fois-ci un crayon brun, pour bien redéfinir la structure de mes lèvres. Donc je vais faire un contour très léger au niveau des lèvres. Voilà, donc je ne vais pas en mettre au milieu, hein, juste au niveau des extrémités. Et donc une fois que c'est fait, n'hésitez pas à penser au gloss pour en appliquer juste au centre des lèvres pour donner un peu plus de, enfin un petit côté sympa aux lèvres. Donc ça ce sont mes gloss nude, après j'en ai d'autres. C'est vrai que j'aime beaucoup ceux de chez MAC mais j'aime aussi ceux de chez Alexa Persico. Donc certains sont un peu plus rosés et d'autres plus nude. Ils sont très crémeux et glissent parfaitement bien sur les lèvres donc c'est ce que j'aime beaucoup. Je vais choisir plutôt celui-ci qui s'appelle Nude Plume.
et je vais en appliquer juste ici. Pour finir, on n'oublie pas d'estomper le tout avec mon pinceau de chez Sigma qui est cassé mais qui est top quand même parce qu'il me permet de bien estomper et d'avoir aucune démarcation. Terminé. J'espère maintenant qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai adoré vous réaliser ce tuto là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de tuto vous voulez voir pour la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements. Merci pour vos encouragements et merci surtout à toutes celles qui m'ont envoyé des petits snaps avec moi sur leurs écrans. Ça me faisait très 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 bizarre mais très plaisir à la fois. Je suis super contente de voir que vous appréciez mes vidéos. Moi je vous adore énormément et ça me fait très plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter pour me suivre et pour savoir quand est-ce que je publie mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans plein de vidéos. Super, super, bon, je vous dis encore une fois, donc dans mes favoris obligatoires.